fais un petit hachis végétal. Hi guys, je suis désolée, je bloque pas beaucoup aujourd'hui, mais changement de plan, demain je pars pas à Paris parce que les gilets jaunes me saoulent. Ça me saoule, je fais un truc, il y a un problème, bon. Tampito. Du coup, à la place de partir à Paris, je pars à Amsterdam. Je vais me maquiller un peu, en même temps je regarde ma série Outlander, ma vie. Je vais essayer de faire des faux ongles avec du gel parce que j'ai des faux ongles et j'ai du gel. Par contre, est-ce que ça va le faire ou pas? Ah non, non. Donc je vais faire un doigt. Ça va être drôle, je pense. Pour ceux qui me demandent, c'est moi qui me fais mes ongles en gel d'habitude, mais pas avec les tips. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire ça avec les tips parce que j'ai le matériel, c'est un peu bête, quoi. Bon, après, je pense pas que j'ai tout, mais I'm gonna try. Alors, j'aurai besoin du cleanser, j'aurais besoin d'une lime, d'une deuxième lime. J'ai acheté ma colle chez le paquet, donc je sais pas si ça va fonctionner, mais j'ai déjà fait deux ongles. Elle est dingue. C'est aussi simple que ça. J'ai juste l'aimé là. Il est 16h29. J'ai fait 5 ongles. J'ai continué, je fais le gel et puis après il sera sûrement 18h30 quand j'aurai fini. Dis où on part demain matin. Ça fait 2h30 que je suis occupée, que j'ai toujours pas fini mes ongles. Je vais encore faire ma vernis du coup. Hey! Bon, donc on met du vernis sur celle-là et j'ai fini. Je vais d'abord du top coat. Comment ça prend du temps? J'ai fini. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est la première fois que je fais toute seule donc c'est pas parfait mais c'est quand même bien quoi. Bon, maintenant je vais ranger tout ça parce que sinon ça va pas le faire. Et après, je vais sûrement manger un truc. Je dois encore faire ma valise, lisser mes cheveux et monter ce vlog et le poster, bien sûr. Why not? Ranger ma chambre parce que là, c'est clairement pas possible. Je vais vous mettre là. Let's go. La valise, donc on va commencer tout de suite. Lunettes de soleil pour demain Amsterdam, même s'il va pas faire ouf, mais voilà, c'est juste pour faire genre, you know, celle-là. De ma chef, j'ai reçu ce livre pour ma Saint-Nicolas et j'ai vraiment à le lire parce qu'il est vraiment trop bien et ça m'inspire de ouf. Du coup, j'attends d'être demain dans la voiture pour le lire, ça va être trop bien. Merci Nathie si tu passes par là. Le tea, j'ai besoin d'un thé, donc je vais me le faire. La première chose quand tu fais un thé, c'est chauffer la bouilloire. Tu t'appuies sur le petit bouton, voilà. Ensuite, tu prends une tasse que tu adores, que tu kiffes vraiment. Donc moi, c'est You Should Go and Love Yourself. Et ensuite, tu prends un thé que tu aimes. Je vais prendre un Earl Grey avec du lait d'amande. Alors moi, j'achète ça en grande boîte parce que je l'utilise tous les jours, mais c'est celui-ci. Goûtez ça avec ça. Un tout petit peu. Vous me direz merci. J'ai détesté ça, je trouvais ça dégueulasse avant. Mais là,
Je sais pas, depuis, ça fait un an que je fais ça le soir. Et j'adore. Que je me prends, je ne sais pas, mais c'est de l'eau masse, donc tout est permis, ma foi. Bon, quand la bouloir aura fini de faire autant de bruit, je vous parlerai de mes cheveux. Parce que j'ai trouvé quelque chose d'incredible. Incroyable. Amazing. Je suis occupée à télécharger Ryanair. J'ai envie de voyager pour l'instant. Pas forcément des longs voyages parce que il n'y a pas l'argent maintenant, mais des petits voyages. France, genre Paris, genre Amsterdam, genre Rome, Milan. Compte, comme je l'ai dit pendant les vlogmas, il y a beaucoup de jours où je travaille, donc je sais pas si je pourrais vlogger tous les jours, mais en tout cas je fais mon possible. Même quand je travaillerai, j'essaierai d'un peu vlogger après ou avant de travailler. D'ailleurs, mon petit bracelet, ça vient de chez Chanel, c'est un camélia, et en fait c'est ce qu'on donne aux clients pour qu'ils mettent du parfum et que ça reste, en fait, au lieu de mettre ça tout simplement sur une touche olfactive. Et genre, c'est trop cute, vous trouvez pas? La bouloir est chaude, donc tu verses, je te montre, hein, tu verses comme ça dedans. J'ai une goutte sur moi, oh my god, c'est chaud. Roasted, parce que moi j'aime bien quand c'est un peu cuit les amandes, tu vois, dedans. Tac, finito. Tu prends une cuillère. Ah, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai rajouté un sucre, mais pas tous les jours quand même. Voilà, maintenant on attend que ça agisse. Alors oui, je voulais vous parler de mes cheveux. Quand je vais monter, je vais vous montrer ce que j'utilise. C'est incroyable, bon là ils sont pas brossés, mais regardez juste. Attendez, je vais d'abord répondre au téléphone. Je suis une femme occupée. Allô? Attends, hein. Vas-y. Bonjour, les internautes. Les internautes. Bah ouais, c'est bien, ceux qui suivent internet, c'est les internautes. Excuse-moi, mais si tu veux traiter mes abonnés comme ça, tu vas sur une autre chaîne. Allez, au revoir les internautes. Bah je sais pas, chez moi c'est pas des internautes, c'est des icônes, c'est des gens comme ça, tu vois. Ils sont un peu comme moi, ils sont high level. Ils sont high level. Moi j'appelle pas mes abonnés mes fans, j'appelle pas mes abonnés les internautes. C'est des icônes. C'est des icônes, des icônes. Toi, je fais ma miniature. Disais, j'ai fini ma conversation téléphonique. Je voulais vous parler d'une gamme, genre pas sponsorisée, pas de pub, pas payée, pas reçue, c'est moi qui l'ai acheté. Et je kiffe de ouf, j'ai jamais eu les cheveux aussi brillants. Enfin là ça se voit pas parce qu'ils sont pas brossés encore une fois et que je viens les laver. S'il vous plaît, testez ça. C'est Vichy la marque de la gamme Dercos Nutrients. C'est un truc de ouf. Ça c'est le shampoing. Ça c'est le baume qui va avec. C'est génial. Alors je vais vous dire c'est à quoi. Donc il est vitamine A, C et E. Shampoing brillance, baie d'acai revitalisante et aloe vera hydratant. Pour cheveux ternes et fatigués. Sans silicone, pour un toucher naturel, base lavande d'origine végétale. C'est génial pour les cheveux. Il mousse de ouf, genre c'est vraiment un trop bon shampoing. Si vous habitez en Belgique, vous pouvez le trouver chez Medimarket, Odox, tout ça. Et alors le baume, il est vraiment bien aussi. Enfin moi je combine les deux. Et alors une fois par semaine, je fais le masque. Qui est de la marque, enfin de la même marque, de la même gamme. Mais Nutri Protein. Tuerie, genre je sais pas comment vous le dire autrement, c'est vraiment une tuerie. C'est un masque nourrissant, huile de pracaxi nourrissante, son de quinoa et filtre UV pour cheveux desséchés en besoin de soins. Sans silicone pour un toucher naturel, base soin aux huiles d'origine naturelle. Et donc ici c'est super génial, genre c'est un produit, tes cheveux ils brillent. Un peu de parfum pour sentir. Assez parlé, les gars, je suis désolée que ce vlog n'est pas fort intéressant et surtout très court, mais demain je pars à Amsterdam, donc j'ai dû faire beaucoup de préparatifs, même si je reste que là 2 jours. Donc j'espère que vous avez kiffé, on se retrouve demain pour un vlog qui sera vraiment, j'espère, mieux et plus long aussi, et plus intéressant. A demain les icônes, j'espère que vous avez kiffé ce 2e jour de vlogmas et tout.